Bonjour à tous, ici PsyWar, votre commentateur et animateur de vidéos audio préférées. J'espère que vous allez bien, comment ça se passe, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Obscur Clan. Et aujourd'hui, je suis porteur d'une excellente nouvelle, et en effet, pour tous les amateurs de Black Ops 3, eh bien vous devriez être au courant qu'il y a eu une nouvelle mise à jour, le lundi 6 février 2017, la mise à jour 1.20 qui pesait 1,8 Go. Et je peux vous dire les gars qu'elle fait bien son poids. En effet, plusieurs armes ont été ajoutées au jeu. Malheureusement, elles ne seront disponibles qu'à partir du mardi 7 février à 19h si je dis pas de conneries. Et bien sûr, vous les aurez avec de la chance dans les colis de ravitaillement. Alors après avoir téléchargé la mise à jour, la vraie question c'est bien comment on va pouvoir avoir la preuve qu'il y a ces nouvelles armes. Et bien c'est très simple, il vous suffit de faire la même manipulation que on fait à chaque fois qu'il y a des nouvelles armes. Vous allez en multijoueur local, bien sûr local, faites attention. Vous allez dans créer une classe et là les amis, et bien vous pourrez admirer la magnifique PPSH de World at War dans la catégorie mitraillette. Alors c'est vrai que cette arme a été disponible dans le zombie de Black Ops 3 tout simplement, donc je pense que ça n'a pas dû être très compliqué de la mettre dans le multijoueur, mais mon dieu qu'est-ce qu'elle pète quoi, l'arme elle est juste trop bien faite, elle est juste magnifique. Les surprises ne s'arrêtent pas là les amis, en effet on parcourt toutes les armes et catégories, et là on se rend compte de quoi? On se rend compte de quoi? On se rend compte qu'il y a la M16 de Black Ops 1 dans la catégorie fusil d'assaut cette fois-ci. Alors c'est étonnant qu'il n'y en ait que deux armes pour cette mise à jour, et c'est encore plus étonnant que ce soit deux armes de distance, hein. Aucune arme de corps à corps pour ce patch, enfin pour cette mise à jour, et aucune arme de laser ou des trucs comme ça, tu sais pas où ça part. Donc quoi qu'il en soit, les gars, c'est vrai que Treyarch est sur la bonne voie, on est d'accord, hein. Ils ont peut-être enfin compris que fallait arrêter de rajouter des armes du futur, hein, et peut-être des remasters qui feraient rêver des millions de personnes, des millions de joueurs, hein, qui finalement avaient pris énormément de plaisir à jouer avec ces armes dans les anciens Call of Duty. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Avant de se quitter les potes, je vous précise juste que en description vous trouverez la chaîne du player, hein, qui vous a réalisé le gameplay que vous aviez sous les yeux pendant cette vidéo, et ma chaîne du commentateur du coup. Voilà, je vous remercie pour avoir passé les 200 abonnés il y a peu, c'est grâce à vous les potes, donc voilà. Allez, c'était PsyWar, votre commentateur et animateur de vidéos audio préférées, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.